le Barça. Les Catalans viennent de donner le coup d'envoi. Cristiano Ronaldo. Marcelo, il y a danger, attention. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Pas assez précise, cette passe, dommage pour eux. Cross. Cristiano Ronaldo. Ah, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon. Oh, le but peut-être. La superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Ah, il n'a pas fait de détails, une occasion, un but. Ah, ça n'a pas traîné, hein, ce but dès la 6e minute de jeu. Il choisit la frappe. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Messi. Oh, l'arrêt. Oh, quel plongeon superbe. Et le Barça qui va bénéficier d'un corner. Jordi Alba. Oh, c'est pas croyable, oh non. Ah, c'est toujours dur pour ce genre d'action. On voit ses coéquipiers qui sont en train de le remotiver. Allez, tout est à refaire, un but partout. Isco. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Il décale vers Marcelo. Le tir, ça passe à côté, sans danger pour le gardien. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Le centre à suivre, Suarez. Ah, il est un petit peu court, hein, sur ce ballon. Oui, parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Marcelo. Alors Pierre, que va-t-il nous réserver aujourd'hui? C'est un défenseur qui s'est monté, hein, quand il le faut pour un joueur de Real qui commet une faute. Paulinho. Le ballon qui lui reste dans les mains. Bien joué. Modric. Attention à cette perte de balle au milieu. Il prend sa chance. Ballon bien Luis Suarez. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ça va être un renvoi aux 5m50. Isco. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ah oui, le bon tacle. Ouais, parfait cette interception. Attention à ne pas commettre de faute. Cross. Bonne récupération au milieu de terrain. C'est centré par Rakitic. Benzema. Isco. Luis Suarez. Attention à la frappe. Oh, la barre. Le but pour le FC Barcelone. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Ouais, belle action, bonne lecture du jeu. Ouais, c'est du grand Messi, rien à dire. Accélération, vitesse, conduite de balle. C'est un régal ce joueur.
Cristiano Ronaldo. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Elle touche, pourquoi pas, dangereuse pour le Real Madrid. Sadio Ramos. Marcelo. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Cristiano Ronaldo. Ah, il lui rend, première intention. Benzema. Ballon est bien négocié par le gardien. Ouais, bizarre. Pas coutumier en tout cas de ce genre d'erreur technique, Luis Suarez. Toni Kroos. Marcelo. Paulinho. Bonne lecture du jeu hein, sur cette interception. Karim Benzema. Et le ballon bloqué par le gardien. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Ronaldo. Messi. Allez, on va se faire tacler. Raphaël Varane. Benzema. On s'approche du but. Ils étaient sous pression. Il dégage. Allez, touche, pourquoi pas, dangereuse pour le Real Madrid. Isco. Marcelo. Toni Kroos. Ah, facile la récupération. Il y a une statistique intéressante là sur la possession. Ça, elle est clairement en faveur du Real, cette possession, mais quand on regarde le tableau d'affichage, bah, on se dit que ça sert pas à grand chose. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score donc de 2 buts à 1, la mi-temps sifflée à l'instant par l'arbitre. Eh bien, on va retenir surtout. On vient de reprendre le jeu ici et la pluie qui ne baisse pas d'intensité. Oui, ça fait pas semblant là. Luis Suarez. Le centre, Lionel Messi, le FC Barcelone qui marque. Ouais, ce but qui vient confirmer la fébrilité du gardien. Hein. Oh, il dort le gardien. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Il opte pour le centre. Karim Benzema. Le ballon récupéré sur cette intervention. Raphaël Varane. Marcelo. Karim Benzema. Ivan Rakitic.
Ousmane Dembélé. Ah, la défense qui est malmenée hein, sur cette action. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ils ne sont absolument pas. Barcelone qui marque. Ce but qui va nous valoir de belles images au ralenti. On va bien en profiter. Un centre venu de la droite qui transperce complètement la défense. Le timing, c'est le secret de ce genre de passe. Hein. Le buteur peut aller dire merci. On revoit cette tête hein, de Suarez. L'Uruguayen place une superbe tête. La touche qui sera pour le Real. Benzema. Ronaldo. Dembélé. Carvajal. Luis Suarez. Et il vient buter sur la défense. Messi. Carvajal. Le Barça qui va repartir avec la touche. Lionel Messi. C'est un corner. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Marcelo. Isco. Marcelo qui choisit de centrer. Et personne à la retombée du ballon. Il concède la touche tout seul. Toni Kroos. Attention à cette perte de balle au milieu. Ivan Rakitic qui perd ce ballon. Isco. L'attaque enrayée par la défense. Attention, parce que Gareth Bale a du soutien. Il faut qu'il centre là. C'est un centre pour Benzema. Ousmane Dembélé. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Bon, finalement, ce match n'est pas le bras de fer annoncé et attendu. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à un match fermé et serré. Et puis là, c'est tout le contraire. Les joueurs doivent être les premiers surpris. Hein. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Paulinho. Lionel Messi. Attention, ça peut faire but. Luis Suarez, oh, but de Luis Suarez. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Et le gardien qui est sur ce ballon. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. Oh, ils vont plus le revoir, ils vont plus le revoir. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui.
Le troisième but, le hat-trick. Il est en train de nous faire un très gros match. Hein. Ouais. La défense commence à le haïr. Il semble prendre un avantage quasi décisif. L'équipe visiteuse qui a réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné. Hein. Grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travées. Hein. Isco. Modric. Sergio Ramos. Avec un tir. Non, c'est contré. Messi. Attention, il n'y a plus que le gardien. Allez, il va aller au bout, il va aller au bout. Et la voilà la frappe. Comment vont-ils le jouer, ce corner? Sergio Busquets. Coutinho. Allez, dégage, très loin. Non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match. Voilà, ça fait deux matchs d'affilée que la victoire leur échappe. Il faut qu'ils trouvent une solution pour changer la donne. Perdre deux matchs consécutifs, c'est dur mentalement. En même temps, c'est dur au classement aussi.